là là. Ça, c'est mon gars. Boum. C'est là parce que les gens qui vont regarder ça, les questions sont pas non plus hyper compliquées. On purge bébé. Le tel équilibre échange. La dame de chez Maxime et le fil à la pâte. Zeus. Deux. Athéna. Jupiter, non. Aussi. Apollon. Oui, mais Jupiter, c'est le nom. Ouais, c'est gassé. Ok, suffisamment. Ouais, ça commence comme ça, moi je me barre. Oui. Zeus, Dionysos. Athéna. Athéna. Putain, Apollon. Diane, non, ça aussi, c'est le romain. Ouais. Allez Loïc, merde, c'est chronométré ou pas? Thanos c'est dans l'Avengers. Attends. Vas-y. C'est qui ce sein vraiment? Anna. Ah la clap. Les clapeurs. Les copains, les amis. Les applaudisseurs. La clapette. Les clapinos. Les chauffeurs. La claque. Ah, j'y ai pensé, tu vois. La claque. C'est pas loin. Le rouge. Merci pour le vert. En fait, il s'adapte un peu à notre niveau. C'est ça. Donc le vert. Le vert. C'était une couleur qui se délavait facile, qui partait facilement. Allez, trop vite. Quand tu boules ton texte. Oui. Allez, on le boule. C'est allez. Ça, ouais, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Yeah. Allez vite. Ah, putain, j'étais vif là. Baf. J'ai oublié ma réponse. Réfléchis bien, attendez. Non, attendez, parce que tu vois dans la saison, hein, t'as vu comme rien. Ils ont réagi. Ouais. C'était pas. Tu vois, d'habitude, elles font vite. Si, j'ai eu un début. T'as un petit truc ? Tragédie. Mais depuis le 19e siècle, les deux premiers siècles, c'était de la tragédie, et après, t'arrives à la comédie. Non, c'est bon. C'est la comédie que vous jouez. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais, comédie tragédie, est-ce que c'est vraiment. La frontière est floue, hein. Bien ouais, sûr. J'ai filé à l'anglaise, je sais jouer à l'anglaise. Je sais pas, un peu british. Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, je sais pas ce que c'est. C'est jouer dos au public. D'accord. Bah, ce soir, je vais faire l'anglaise. Moi aussi. On va faire l'anglaise ce soir. On me dit 3000. Pas mal. 2600. Ah, je disais 2600. Mais t'étais bien. Juste prix. 2500, 3000. Molière. Racine. Corneille. Molière, Racine, Corneille, voilà. Oui. 78 et reprise en 79. Et c'était qui l'avait? Attends, là, faut pas trop se la péter, faut garder. Faire semblant d'avoir les questions, tu vois, parce qu'après. Hein. Il y a des questions encore là-dessus ou pas? Non. Non, alors on peut dérouler. Jean-Laurent Cochet. Ce fuck les chiens. Bim! Oh là là! Ça c'est mon gars! Boum! Et on est pas mauvais. Eh putain, non, on est en train de défoncer là. C'est l'endroit, c'est le contrôle, c'est là où on prend le billet. Parce qu'il y a plein de sel sur le sol. C'est une coutume de la comédie française, on met du sel dès qu'on donne une place. Parce que je crois que quand on avait des malaises à l'époque des filles, notamment à cause des corsets, on les emmenait respirer des sels. Et là, ça vaut 2 points. C'est ma réponse. Ça, c'est pas 1 point là, ce que j'ai envie de dire, c'est 2 points. Mais la dernière en date? Est-ce qu'on raconte? Non, parce qu'on raconte tout. C'est. Attends, c'est souffle-moi dans l'oreille. C'est quoi? Ah, c'est comment poivrer? Ah ouais, putain. Il vient de tuer sa mère.
Le gars vient tuer sa mère, il va bien. Il rentre plein de sang avec le corps des allopoies dans les bras. Il descend le plateau, il sort de la maison, il va au bord de Seine. Et là je suis derrière lui et puis je vois un truc par terre. Lui. C'est quoi ce truc? Petit flacon. Christophe a l'habitude, avant d'entrer en scène, de respirer un peu de menthe poivrée. Qu'il met dans sa poche ou qu'il pose quelque part dans le décor. Là, il est mis dans sa poche. Manque de bol, menthe poivrée est tombée dans la boue. Pleine balle, au milieu du plateau. Un petit flacon de menthe poivrée comme ça. Le problème, c'est que j'avais pas, parce que des fois j'enlève l'étiquette. Là, l'étiquette est quand même blanche et violette. Et en plus, je suis parti avec un petit bout de moquette. De moquette, c'est ça, qui est parti avec. Absolument. C'était un bon ratage. Donc j'arrive derrière et je vois ça. Je me dis, ok, c'est la menthe poivrée de Christophe. Donc j'ai mis pied dessus, dans la boue. Il est très très fort. Discretos, je me suis baissé, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans la poche. Tout ça en pleurant, hein, parce que quand même. Bah, tu sais pas, ma menthe poivrée. Et il me l'avait mis sur le pied. On peut la laisser dans la boue aussi. Aussi. Une fois, c'était au studio, il y a une dame qui voulait aller faire pipi. Et en fait, elle était au deuxième rang. Et on jouait une scène de haute surveillance de Genève. Et on était droit et on ne pouvait pas bouger. Et je voyais une dame qui se lève, je me dis qu'est-ce que. Et en même temps, on ne pouvait pas bouger. Elle se lève et en fait, elle avait enjambé le premier. Et elle est tombée. Et en fait, comme la scène est surélevée, elle a fait. Et elle s'est plongée comme une autruche, la tête sur la scène, comme ça. Et au début, je crois que c'était une blague, et donc, quand on regarde, et elle était comme ça. Et elle ne bougeait plus, donc ça fait clac, 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 clac. Et donc, j'ai arrêté, je l'ai portée. En fait, elle allait très bien, elle avait juste fait un peu.